Créteil a repris son poste derrière droit. Aïe, 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 là on partait sur une défense très très étagée hein, pour essayer de contrer. Mais on a les deux arrières droits de Créteil qui sont blessés actuellement. Effectivement. C'est passé pas loin cette interception. Oh, la petite roulette. Ah, on joue sans complexe hein, ce soir. Et ben, c'est ce qu'il faut, je pense, pour que Créteil joue son atout face au PSG. Et donc c'était Kylian Rigaud. Ouais, quelques erreurs de jeunesse, hein, vous l'avez dit, Mariam. Avec Elohim Prandi. Oh là 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 là. Et on voit que le gardien était préparé, hein, parce qu'il a vraiment anticipé l'impact au deuxième poteau. Oh, la passe dans le dos, très jolie pour Samuel Dean. Et le but. Bien joué. Très bien joué. Ça joue tout en continuité. Il faut jouer simple. Pour ces jeunes joueurs, il faut jouer simple. Il faut jouer en lecture et pas se compliquer la vie. Peut-être qu'ils vont pouvoir, au fur et à mesure du match, construire et jouer des actions plus compliquées. Mais là, pour l'instant, c'est ce qu'il faut. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Quelle influence quand même de Boyba Sissoko, la numéro 18. Hein. Ah, là, il trouve Yann Gentil sur sa route. Yann Gentil qui fait un très bon début de match. Les cultures handballistiques aussi, ça joue pas pareil d'un pays à l'autre. Puis il faut s'habituer aussi aux à côté. Enfin, en l'occurrence, oh là là, mais regardez ce tir d'Elohim Prandi, magnifique. On le voit quand il est en mouvement comme ça. C'est magnifique ce qu'il produit. De se lancer, de prendre des tirs de loin, peut-être pour Ejibola. Là, c'est un petit peu forcé, mais il est à la récupération. Voilà, Yann Gentil qui avait fait une première intervention, qui en était déjà à 5 arrêts hein, déjà. Depuis le début de la partie. Et qui fait son match. Alors qu'Elohim Prandi, on est déjà à 4 buts, 80%. Et qui cherchait à passer. Et puis qui a lancé en deuxième pivot. Il a très bien joué. La passe pour Adama Keita. Et il a failli rater. C'est toujours quand il y a le plus d'angle que généralement, ça perturbe les ailiers. Ils nous sortent des tirs du futur quand il y a 10 cm. Mais quand il y a une demi-zone, ça se complique. C'est très bien joué, la balle circule. Et on voit encore les problèmes hein, au niveau de la défense cristolienne. Hein. Donc ça devient compliqué hein, parce que la défense parisienne est en place. Donc quand on sort avec le dribble, on crée rien. Nouvel arrêt encore de Yann Gentil. Allez, il faut combiner ensemble, il faut travailler ensemble, mettre du mouvement, se rassurer en tant qu'équipe. Ouf, c'est dommage. Un peu au milieu. Hein. Il a croisé, mais pas assez. C'était pas. En 2022, donc. Oh, c'est dommage. Corian Gentil, mais là, voilà. Créteil qui finit par s'en sortir avec Kylian Rigaud. Pour pouvoir prendre un tir, parce que pour l'instant, les buts ne vont les tirs, les ballons ne vont pas jusqu'aux extérieurs, hein, les ailiers. Donc, on a du mal à s'accorder sur sa taille. 2m15, non, c'est bien ça. Alors, il y a eu 2m15, il y a eu 2m14. Quelle passe hein. Oui, oh, magnifique passe de Mickaël Robin, qui est rentré pour cette deuxième mi-temps. Oui, une belle entrée en deuxième pivot de Mathieu Grébille, avec une passe à l'aveugle de Hansen, magnifique. Dommage que la finition n'était pas à la hauteur de la passe. Il faut faire proposer des courses plus franches. Très bien joué. Oui, bien joué. Boyba Sissoko. C'est ça, un bon point de fixation de Johan Giblin. Et du coup, qui a emporté Benoît Koumkoud. Et derrière, on envoie la petite fusée Boyba Sissoko. Et c'est but. Le capitaine de cette équipe de Créteil. Heureusement qu'il est là, hein, franchement. Allez, on prend vitesse extérieure, c'est très bien. Voilà. Oh, il était passé. L'illustration de son problème, hein, c'est qu'il a les talons collés à 6 mètres et puis derrière... Vous savez que Camille Sipsack ne défend peut-être pas... Ah non, 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 je sous-entends seulement que par rapport aux options, c'est bizarre de le voir à ce poste-là, ouais, parce que c'est un bon défenseur justement. Non, je ne parlais pas de la finition hein, de la dernière, du moins. Parfait. Kylian Rigaud en l'occurrence. Ouh, oh, ouais. Disais, hein, il est sur une bonne dynamique, en lecture, il joue simple. Il montre au coach qu'on peut lui faire confiance. Il est capable de tirer loin, ceci dit. Très bien joué. Ah, troisième tentative, il réussit.